Bien bonjour mesdames et messieurs, ici Pepsiman 85 pour une nouvelle astuce encore sur Halo 2. Ça fait quelques astuces de suite ou presque que je sors sur Halo 2. Je suis très content. Je suis encore avec Miss Azure. Alors aujourd'hui, comme vous le lisez, nous sommes en décrissage de Warthog ou Golf de Ghost. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ces sports extrêmes. Je veux quand même marquer glitch, mais... Au début, on les a appelés les sports extrêmes. Alors, pour commencer, vous allez en écran partagé, comme d'habitude. Il faut être encore un minimum de 2 personnes pour faire ce sport extrême. C'est dans la carte Tête la Première. On peut le faire dans plusieurs autres cartes, mais c'est vraiment dans Tête la Première que ça marche le mieux. Alors, je vais vous le montrer sur Tête la Première. Je vous conseille encore de vous mettre en mode où est-ce que vous êtes le plus invincible possible. Et véhicule lourd principal, c'est le temps d'ajouter le apparition. Alors, vous démarrez la partie comme cela. Là, ça va être très important. Moi, je vais conduire encore l'apparition. Et vous prenez soit un Warthog ou un Ghost. C'est avec les deux véhicules qui ça marche le mieux. Comme vous voyez, Miss Azure en ce moment prend le Warthog avec la tourelle et non le Ghost, le canon à accélération magnétique, parce que ça se voit peut-être pas, certaines personnes ne le savent pas, mais la tourelle est moins, le Warthog tourelle est moins, beaucoup moins lourd que le Warthog accélération magnétique. Alors l'astuce est beaucoup plus amusante avec un Warthog qui est moins lourd. Vous voyez ici avec mon apparition, je viens de faire un gros trou noir, un point noir. C'est juste un marqueur, c'est parce que le Warthog doit avancer là-dessus et continuer à avancer sans arrêt. Et moi, je vais juste lui foncer dans le cul. Et ça fait que vous pouvez aller très haut. Vous pouvez, si vous êtes chanceux, si vous êtes très persévérant, sortir de la carte avec le Warthog. Vous pouvez aller un petit peu partout avec le Warthog en faisant cette astuce. Et maintenant, ça c'était le décrissage de Warthog. Je vais vous montrer maintenant le golf de Ghost. Vous voyez, elle a fait la nitro. C'est à ne pas faire si vous voulez que ça marche mieux. Peut-être dans les airs, mais pas pendant que vous êtes à terre. Et aussi, comme vous voyez, le Ghost va beaucoup plus haut. Vous pouvez vous ramasser vraiment partout, comme dans des endroits où est-ce que vous mourrez dès que vous êtes dérissé. Vous voyez ici, avec mon apparition... ça peut être assez dur des fois de suivre le Ghost parce que il peut aller, comme je vous dis, vraiment loin. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça le golf de Ghost, parce que je vais vous donner un petit défi à vous, gens qui ont Halo 2, gens qui veulent faire cette astuce. Vous voyez où est-ce que je viens de tirer? Dans cet immeuble, il y a un trou. Essayez de rentrer ce Ghost avec cette astuce à l'intérieur du trou. C'est pour cela qu'on appelle ça le golf de Ghost. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'astuce. Alors, non, je l'ai pas rentré dedans. Je suis juste trop loin. Elle a complètement sorti de la carte. Miss Azure est dehors de la carte, presque, pas au plus haut. Mais vraiment, elle est bien partie. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette astuce. Je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur la vidéo ou contactez-moi directement sur mon blog. Le lien de mon blog sera dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, partons!